revoir 2020. Tu n'as rien fait de bien. J'ai trouvé le temps long. Je n'ai rien vu de bon. Tu sais, si j'avais su, franchement, je serais pas venu. Laisse-moi juste oublier. Oh, mais ça faisait quelque temps. Mais c'est déprimant ton truc. Joue un truc positif. Oh, mais attends, du positif, tu me fais rire. Ça se trouve pas comme ça, tu sais, cette année, c'était un peu... Totalement déprimant. Il faut jouer. Tu joues un truc plus positif que ça. Bon, d'accord, je relève le défi, 2020, quelle année. Que du bon, j'oubliais. Nos machines ont moins pollué. Et la terre a respiré. Moins de morts sur nos routes. Que du bon, pas de doute. On est resté chez soi et a pris la guitare. Cette année, bah, ça a été un peu spécial, donc ça n'a pas été la meilleure année. On ne va pas revenir dessus, on ne va pas faire une vidéo déprimante. On fait un petit bilan de cette année écoulée sur la chaîne Rouguitar en particulier. Donc les amis, si vous vouliez un tuto guitare, là je suis désolé, ça n'aura pas lieu immédiatement. Mais le petit truc que je vous ai joué là au début, vous savez que vous pouvez le trouver, ces petits arpèges en picking, dans ce tutoriel. Alors cette année, j'ai mis un petit peu les bouchées doubles sur la chaîne Rouguitar puisque j'ai mis en ligne pas moins de 75 vidéos et je dirais 90 ou 95% c'était des vidéos pédago. Alors il y a eu quelques petites vidéos un petit peu blabla comme ça pour se détendre, mais on a eu beaucoup de petits blues. Alors on va voir ensemble rapidement eh bien, quelles ont été les vidéos que vous avez aimées, quelles ont été les vidéos que vous avez totalement ignorées. Là ça a été un petit peu... une déception de mon côté, c'est le jeu, c'est YouTube, on n'est pas là pour se plaindre. Et puis, on va évidemment, avec très grand plaisir, regarder un petit peu tous mes ratages vidéo, peut-être ceux que vous n'avez pas vus. Et je vais réagir à certains de vos commentaires, je sais que beaucoup d'entre vous êtes là pour ça. Donc c'est parti. Les flops, alors là, ça m'a fait mal, la vidéo sur Kurt Weill. Kurt Weill, personne connaît Kurt Weill en France, c'est pas possible. Je pensais que mes vidéos étaient regardées également dans le monde entier par un public francophone. Bon, ben, ça a été un ratage également, le ratage de la vidéo de Halloween. Mon petit hommage à John Carpenter. Combien de vues? 2500 vues. Pourtant, je me suis vraiment appliqué à vous faire un petit motif picking sympa qui sonne bien. Bon, visiblement, vous n'êtes pas très Halloween en France. Bon, moi non plus, mais je voulais voilà, marquer un petit peu le coup parce que j'ai jamais fait de vidéo pour Halloween. Je me suis dit, tiens, je vais en faire une, on va voir ce que ça donne. Le flop ultime, je n'en referai jamais. La vidéo la plus prise de tête à filmer, ça a été celle avec le slide, celle au bottleneck avec la cigar box. Oh là là, mais ça a été une horreur à filmer cette vidéo. J'ai passé 2 heures de mon dimanche après-midi au chalet à essayer de faire tourner ça. Et malheureusement, déjà, il y avait des bruits à l'extérieur. Filmer en extérieur, c'est très, très difficile, je vous assure. Pour le vidéaste amateur que je suis, il y a déjà, je peux vous en parler. Ensuite, mon beau-père avait décidé de faire des travaux. Et donc, j'ai essayé d'enregistrer, en fait, entre les coups de marteau et les bateaux qui passent sur le lac, qui font assez de bruit avec le moteur. C'était difficile d'évaluer si ce bruit allait déranger le micro. Donc à chaque fois, j'étais obligé de refaire ma prise. Ça m'a vraiment rendu confus. Enfin, ça a été une catastrophe. J'ai été obligé de réenregistrer la partie avec tablature au studio. Allez, le moment que vous attendiez. Non, il n'est pas encore arrivé. Là, on va regarder quelques emmêlages de pinceaux devant la caméra. Il y en a eu encore cette année. En fait, il y en a beaucoup. Et après ça, je réagis à vos commentaires. C'est parti. Les bons doigtés pour les accords et surtout la bonne ligne de Bach en arrière. Et vous vous assurez d'avoir bien les doigtés corrects pour les accords et surtout la bonne ligne de Bach. J'arriverai jamais à le dire. Ça part d'un très très bon principe, c'est-à-dire finir la fameuse pile. Ça part donc d'un très très bon. Ce blues joué souvent au bottleneck avec une basse jouée au pouce. On appelle ça également le pouce au... On appelle ça également le pouce... Merci beaucoup d'avoir suivi ce tuto. Merci beaucoup de votre support. Si les tutos de jazz vous intéressent, eh bien, ne restez pas passifs. Faites-le moi savoir car je prioritise toujours les tutos. Est-ce qu'on peut dire prioritise? Je priorise. Salut Zérou, aujourd'hui vous allez apprendre à chanter le blues, c'est parti.
Bon. Vous voyez que là, quand même, ça sonne mieux que faire... Oh, était énorme celle-là. Je mets en priorité. Tout c'est pas par le français ou quoi, là, c'est priorité. Je priorise. Je sais pas comment. Je ne sais pas le dire. Je ne sais pas le dire, voilà. Tout c'est pas par le français. Hein. Cette année, vous m'avez gâté avec vos commentaires. J'en ai pris un petit peu plein la figure. C'est le jeu, c'est YouTube, c'est le revers de la médaille. Bon, il y a eu aussi beaucoup de commentaires encourageants, mais on va prendre ceux qui sont un petit peu rigolos. Alors, il y a ce commentaire de José Lana qui m'écrit « Elle a un son pourri, la vidéo. » Ah, je suis désolé. Je sais que les canins ont l'oreille sensible. Donc voilà, bah si tu me le dis, c'est que tu as raison, certainement. Un petit commentaire de Roger. Roger, tu m'écris « Bonjour, professeur de guitare. Quelles sont l'importance de la gamme pentatonique ?» Là, importante, oui. Alors lui, j'ai effacé son nom parce que c'était un nom d'utilisateur, mais c'était assez vulgaire. Donc voilà, on l'a pas gardé. Est-ce toi la doublure voix de Christophe Lambert? Oh, ça me fait super plaisir. Non, je suis sa doublure musculature pour les gros plans. Alors écoute, je ne savais pas que j'avais la même voix que Christophe Lambert. On va faire un petit test. Alors voici la version originale. Tu ne peux pas mourir, MacLeod. Je suis Conrad MacLeod du clan des MacLeod. Je suis venu au monde en 1518 dans le village de Glenfinnan sur les rives de l'Orgie. Et je suis immortel. Avec le doublage roux, vous n'allez y voir que du feu. Ir MacLeod. Je suis Conrad MacLeod du clan MacLeod. Je suis venu au monde en 1518 dans le village de Glenfinnan sur les rives de l'Orgie. Et je suis immortel. Christophe Lambert, si tu te casses les dents, eh bien appelle-moi, je m'occupe de tout. Alain Lavier qui m'écrit « Aucune pédagogie nulle ». Ça, c'est sur ma vidéo « Blues guitare le plus simple du monde ». Écoute, cher ami, tu sais, plus le blues est simple et moins j'explique. Voilà. David Vital m'écrit « Tu parles trop, abrège ». Écoute, on va abréger, on va passer au commentaire suivant. Raphaël Collard, tu m'écris « C'est fait exprès le chant dégueulasse au début ». Comme c'est agréable. Ali, ah, écoute, oui, c'était fait exprès, c'est pour que tu ne sois pas le seul à ne pas savoir chanter. Frankinouche, alors Frankinouche, en plus, il est abonné à la chaîne Roux Guitare, ou du moins, il l'a été au moment de ce commentaire. Très chaleureux, les double notes, guignol, tu te prends pour un Américain. Prière de ne pas faire passer les Français pour des cons. Merci d'avance, voir encore ça en 2020 à plus de 50 ans. Je ne pensais pas, mais si, tu sais, tu vas voir encore beaucoup de choses dans ta vie, surtout si tu suis la chaîne Roux Guitare. Il y a vraiment trop de guignols dans la musique, ne m'en parle pas, cher ami. Et Sandrine Brun, tu m'écris, ça ne sert à rien. Oh. Non, Sandrine, le chevreuil, ça ne sert à rien. Alors, excellent commentaire, certes, mais ce n'est toujours pas du niveau de Claude Paget. Ouh là là, j'ai écorché son nom. Il va me tomber dessus, celui-là. Il m'avait écrit ça il y a quelques années. Pédagogique, tu te prends pour qui? Tu as pris des cours de pédagogie? Non, et ça paraît. Alors, ne dis que ce n'est que ton opinion, ne critique pas Daryl. Mais apprends de lui, espèce de pédagogue à la frime. Celle-là, je l'ai appréciée particulièrement. Tu ne connais rien aux guitares et ça transparaît. Mince alors, t'en donnes des opinions qui ne sont fondées que par ta logique qui n'est pas trop forte. Expérimente et ensuite, tu pourras donner ton opinion, espèce de con. Va. Bon, bah écoute, cher ami, tu as l'air d'en connaître un sacré rayon sur la pédagogie et ton commentaire chaleureux en témoigne. Bon, bah, je crois qu'on en a vu déjà pas mal là cette fois. Donc on va en garder un petit peu pour l'année prochaine. Vous qui suivez cette chaîne et avec un petit peu plus d'indulgence, eh bien je tenais à vous remercier chaleureusement par rapport à ça. Ça me fait évidemment super plaisir. Je lis un maximum de vos commentaires.
Je veux évidemment remercier les abonnés, les gens qui s'abonnent à cette chaîne et qui la font vivre. Bien entendu, les membres de la chaîne Roue Guitare cette année, ça a été ouvert au membership. Évidemment, chaque nouveau membre, ça me fait super plaisir de me sentir encouragé. Et bien entendu, les tipeurs qui ont été hyper généreux, hyper supportifs. Et ça, voilà, dans ces moments, vous savez, quand une vidéo, elle fonctionne pas très bien et qu'il y a 2-3 commentaires comme ceux que j'ai lus, eh bien, voilà, on n'est pas au top, mais on essaye quand même de se relever et d'avancer. Il n'y a pas de souci, ça fait partie du jeu. Si on l'accepte pas, on n'est pas là. Qu'est-ce qu'on a à attendre de 2021? Eh bien, beaucoup de petits blues, beaucoup de delta blues, beaucoup de picking, de petits jazz faciles, et puis peut-être quelques vidéos conseils. Donc voilà, bravo à vous d'avoir résisté à cette année bien difficile. Je vous retrouve l'année prochaine pour plus de tutos. J'en profite donc pour vous souhaiter la meilleure année possible à venir. À très bientôt. Bye bye.